Donc voici la fiche 7 plots. Je vous fais voir. Là voilà, c'est vers le bas avec le presse-étoupe. Donc il existe aussi des fiches 13 plots, notamment pour les caravanes. Donc voilà, c'est tout simple. On dévisse le presse-étoupe qui est là. Voilà. On ouvre la prise. Voilà. Et sur la prise, vous avez des petits numéros. J'espère que vous les voyez. Attendez, je vais vous faire voir ça. Là, on voit le numéro 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, le plot central. Donc, c'est tout simple. Moi, j'ai un petit mémo parce que je connais pas tout par cœur. J'arrive d'oublier. Donc là, on est sur le raccordement de la remorque. Donc, on voit les numéros. Donc, ça se présente comme ça. Hein, on voit bien que ça correspond. Et là, vous avez en face la correspondance. Je vous le mets. Voilà. Donc, vous voyez jaune, c'est clignotant gauche. Bleu, feu de brouillard. Ah, des fois, il n'y a pas tous les fils. Hein. Le bleu, par exemple, sur mon câble, il n'existe pas. Vous prenez le câble. Vous le passez dans le presse-étoupe. Hop. Donc, moi, j'ai dénudé au préalable pour pas que ça soit trop long. De les recourber comme ça, c'est que vous avez double épaisseur là pour le raccordement. Voilà. Souvent, ils font comme ça quand c'est câblé d'origine. Donc par exemple, on prend le 1, on sait que le 1 c'est jaune. Avec la petite feuille là, hop, le 1 c'est jaune. Donc le 1, il est là. Donc ce qui est important, c'est bien de faire la connexion là sur le fil. Voilà. Vous voyez, de bien le pincer pour bien que ça fasse contact. Et vous serrez et ça ne doit pas bouger. Donc après, vous faites exactement pareil pour le reste. Donc là, le 2, on a dit, c'est le fil bleu anti-brouillard, j'en ai pas. Le 3, c'est blanc, c'est la masse. Ce qui est important, c'est bien de les serrer. Ce qui est important aussi, c'est de serrer ce pas utilisé. Voilà. Pour pas que la vis se barre et que ça aille faire un petit court-circuit, par exemple, entre les deux, là. On ne sait jamais. Enfin, là, c'est le blanc, donc il n'y a pas de souci, mais entre deux, ça pourrait faire des faux contacts. Voilà. Donc, après, dans la prise, là, vous avez vu. Vous avez un petit. Attends. Là, on a un petit détrompeur. Donc, ça. Regardez quand vous fermez la prise. Donc, ça, faut que ça aille en haut. Tout simple. Hein, enfin, en haut. En bas, plutôt. Là. Voilà. Ce que je fais, moi, je la ferme et je repousse les fils. Ce qu'on peut faire aussi. Et mettre un petit colson pour tenir le truc. En fait, le fait de mettre un petit colson, ça limite l'arrachement. Ça limite l'arrachement parce que des fois, il y a des gens qui tirent sur le fil. Et en fait, si vous tirez sur le fil, bah, ça a tendance à arracher les fils. Et après, vous serrez votre paix. Voilà, vous regardez que la fiche est bien mise. Et c'est tout.